Ce sont des images que l'on voit rarement, pour ne pas dire jamais, à la télévision. Ce sont pourtant elles, ces images, qui en partie peuvent expliquer que naissent, grandissent et survivent, année après année, des tournois de golf qui, plus que tout, prouvent que ce sport contient en ses gènes une belle part de connivence, de camaraderie. Ces images, ce sont celles du pro-am, qui traditionnellement lance le tournoi. Un pro-am que le nouveau parrain a voulu, à l'image de ce que lui-même est dans la vie, joyeux. Car pour Serge Cordon, le golf, c'est avant tout de la joie. Ça me change un peu de ma vie de travail de tous les jours depuis des années. Parce que là, les gens ne sont pas toujours gentils avec vous. Ou dans le travail. Oui. Le moment économique est quand même plus difficile. Il a toujours été dur, mais là, plus difficile. Donc pour moi, c'est un échappatoire évident. Mais je n'aime pas rien faire. Donc mélange du golf et du travail, c'est parfait. Mais ce cordon Golf Open n'aurait pas pu se dérouler ailleurs qu'ici, dans cette Bretagne magnifique. Cette Bretagne qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Je suis né pas loin. J'ai passé mes études à 15 km d'ici, où j'ai apprécié jouer au football avec des bons footballeurs dans un esprit collectif. Donc l'esprit collectif, c'est ce que je voudrais apporter individuellement à chaque individu dans le golf, dans mon équipe. Et c'est l'esprit collectif qui m'a fait grandir. Et je vais revoir mes joueurs du Stade Malais que j'aime beaucoup. Au-delà de ce tournoi en lui-même, l'implication de capitaine d'industrie dans le golf de compétition, cette implication est perçue par ceux qui conçoivent et dirigent les circuits comme un véritable don du ciel. C'est une grande chance que nous avons en France d'avoir des capitaines d'industrie tels que Serge Cordon ou Jean-Claude Forestier, qui, passionnés de golf, apportent leur soutien aux jeunes joueurs professionnels. Ce qui les intéresse, c'est d'aider les jeunes. Ils ne sont pas là pour rechercher quelconque remerciement, exposition. Ce n'est pas le but initial. Ils sont là pour améliorer et ils apportent une nouvelle vision et c'est ça qui est extraordinaire. Et puis leurs compétences, et c'est un grand bénéfice pour le golf français, pour les épreuves du Challenge Tour en France et donc pour le Challenge Tour en général. Et dans le champ de joueurs du cordon Golf Open, 46 sont français, près d'un sur trois. Parmi les prétendants à l'accession directe au circuit européen ne manque que Thomas Linard, blessé au poignet. On va donc suivre particulièrement les prestations des deux vainqueurs français de l'année, Sébastien Gros et Clément Sordet. Mais nous allons aussi suivre, avec attention, celle de Jean-Baptiste Gonnet. Parce qu'il est un ancien très bon joueur du circuit européen, parce qu'à 32 ans bientôt, il recommence à bien jouer après des mois et des mois de galère, et aussi parce que s'entretenir avec Jean-Baptiste, c'est toujours un vrai moment de plaisir, vide de toute langue de bois, quand il évoque ses malheurs d'abord. Alors c'est long à raconter, je ne sais pas si je vais arriver à faire un condensé. Non, mais j'ai eu tout d'abord une grosse blessure, une grosse hernie discale, donc ça a été compliqué. J'ai créé des compensations dans mon swing, donc il y a eu ça. Il y a eu un changement de coach pas judicieux. Bon après, voilà, c'est fait, n'en parlons plus. Donc je suis revenu avec Roger depuis maintenant un an, ça se passe beaucoup mieux. Je me rends compte que voilà, c'était Roger Damiano et... Voilà, chacun doit trouver son système, chacun doit trouver son coach. Moi, mon coach, c'est Roger. Les discours des autres, je ne les capte pas. Donc, c'est très, très bien pour moi d'être revenu avec Roger. Je joue beaucoup mieux depuis un an, le jour et la nuit. Quand il évoque ensuite ses baisses de morale. C'est difficile quand on joue mal de rester motivé et de garder la pêche tout le temps parce que c'est dur de rater bout de cut, c'est dur de mal jouer. On voit ses copains qui jouent toujours sur le tour et qui jouent très bien. Donc on a des moments difficiles, mais là j'y crois de plus en plus, je recommence à mieux jouer et c'est ça qui fait que forcément tu as plus envie d'aller sur le parcours et plus envie de jouer. Pas de cachotterie non plus sur le nouveau Gonnet. J'ai changé 2-3 choses, maintenant j'essaie de prendre déjà beaucoup plus de plaisir, j'essaie de me détacher beaucoup du résultat et puis je me dis que bon, effectivement c'est mon métier mais ça reste du golf. Et surtout il y a chez Jean-Baptiste cette inébranlable certitude. Moi, j'ai fait 7 ans sur le tour européen, je me dis que bon, je l'ai fait et je suis capable de le faire et je suis capable de le faire encore. Donc ça effectivement je le garde en mémoire et je suis sûr et certain et convaincu que je vais le refaire. C'est juste un mauvais moment à passer, c'est arrivé à d'autres et je pense que ça va passer rapidement. Et au bout du compte, même si nous en sommes évidemment encore bien loin, ce jeu lui a apporté
plus de positif que de négatif. Je pense qu'il m'a beaucoup plus rendu heureux. Après, il y a des moments difficiles, mais ça, c'est comme je pense dans tous les sports de haut niveau, il y a des moments difficiles. Mais je pense que ça fait partie du jeu. Parce que si tu es tout rose tous les jours, je pense qu'on aimerait moins ce sport. Donc je pense que c'est important aussi d'avoir des moments difficiles. Ça nous aide aussi à nous remettre en question, à réfléchir. Donc je pense que ça fait partie du sport de niveau. La première journée de ce cordon Golf Open a commencé par un contretemps. Pendant la nuit, plusieurs greens ont été vandalisés. Ça a été l'occasion pour le personnel d'entretien du parcours de Pléneuf-Val-André d'afficher sa réactivité et sa compétence. Le jeu n'a démarré qu'avec 3 heures de retard. Alors évidemment, le jeu n'est pas terminé ce soir. On finira ce premier tour demain. Pas de résultat précis donc. Mais juste un mot pour d'ores et déjà signaler les bonnes performances de deux jeunes joueurs français, Mervyn Rocky et Adrien Sadier.